Si on va booster les Bretons en seconde période, les Rennais prennent le match en main. Karlström se débarrasse de Meniri et frappe. Frey au second poteau ne peut. Allez mettre le pied, récupère le ballon. Karlström, c'est pour Alexander Frey. La volée de Frey et l'arrêt. Champion côté Rennais, attention ce départ de Briand à nouveau. Ça profite à Kim Karlström. Position de frappé, le Suédois. Il va revenir sur pied gauche. La frappe de Karlström et l'égalisation Rennais. Quel pied gauche, quel pied gauche. Ouais, comme ça, ça peut basculer très vite. Ordinaire ce but de Kim Karlström. Le but qu'on a vu de Marc Kiprenez avec Karlström. Karlström qui se bat, qui récupère. Attention, le centre rentré. Oh là là, la belle. Rennes poursuit alors sur sa lancée, le collectif est bien en place, le ballon circule d'un bout à l'autre du terrain. Sur une remise de jeune champ, Karlström expédie une frappe puissante de 20 mètres, le ballon détourné finit sa course dans le filet de Richer. 13 minutes de jeu, le match est quasiment plié, la neige qui tombe abondamment d'un coup franc. Rennes et un autre gaucher, Karlström, qui s'élance, qui frappe et qui marque. Pento est battu, masqué au départ en plus, on le verra sur les ralentis, le ballon est légèrement dévié par Djibril Sidibé. Troisième but de cette saison pour Kim Karlström. Un but logique qui vient récompenser les Rennais. Karlström qui n'affiche peut-être pas la forme de sa vie. Il n'était pas titulaire avec la sélection suédoise. Encore le retour ce soir de Dalma reste inoffensif. Et Rennes continue de pousser avec Karlström dans tous les bons coups. Nouvelle ouverture vers Maouda à la mi-temps avec Aubé. La mésentente avec Revon. Pas le cadre. La domination est Rennes. La récupération de Frey. Frey en retrait pour Karlström et la détente de Revo, énorme comme un 15% Rennes. Dernière minute du match maintenant avec Sorlin, le tacle de Dieuze, Dieuze pour la relance peut-être avec Taider, mais regardez, et Karlström pour le 2-0, 86e minute. Toulouse complètement à côté de son match avec comme symbole cette défense hésitante une nouvelle fois. Il y avait une main de Dieu dans la surface, mais il y a surtout cette énorme mésentente entre Taider et Arrivagé qui offre à Karlström son deuxième but en une semaine, son quatrième cette saison. Et enfin, la première victoire en déplacement pour les Rennais, victoire 2-0. Et fin de série pour Toulouse qui n'avait plus perdu depuis 2 mois en championnat. 8 victoires consécutives, c'est vrai, à domicile et surtout sur une belle performance à Toulouse avec ce ballon encore de Karlström qui vient de re-signer un an de plus à Rennes et s'est repoussé par Jérémy Jeannot en corner. Que les autres sans doute est motivé par ce match. On assiste à un début de rencontre enlevé et plaisant avec Karlström qui lance Toifilou Maolida pour l'ouverture du score. On joue deuxième grosse occasion, ouvre la marque, on revoit au passage l'ouverture lumineuse du Suédois Karlström pour Toifilou Maolida qui ne laisse pas passer. Cette fois sur ce dégagement d'Isaacson pour Plasil, ballon perdu par Plasil, récupéré par Karlström qui donne pour Maolida qui tente le lob. Là il ne manque pas grand chose, dommage pour Rennes, même si ce n'est pas terminé. La dernière action, la voici, et elle est rennaise. Avec Karlström, encore et toujours, pour Frey, encore et toujours, l'arrivée de Romain et Monterubio derrière qui reprend. Il fait cette colonnade pour la cour. Karlström, c'est comme toujours, hein, c'est bien fait la transpose. Bordeaux Sosaume, et puis ça va aussi rendre service aux Lillois. Attention, attention, le quatrième. Il est pour Karlström. Ouais. Et qui trouvons-nous à l'origine de cette action?
évidemment. Toujours le même, toujours le même. Karlström qui marque à son tour pour le Stade Rennais. Ah, ce bon ballon, ce bon transfert. Il élimine le Roff et ce petit ballon à l'intérieur en retrait pour le pied gauche de Karlström. Cinquième but de Kim Karlström cette saison. Depuis moins d'un quart d'heure, et Karlström, dont on reparlera, va adresser un centre magnifique pour l'inévitable Alexander Frey. Minute, et c'est tout simplement super. Au premier poteau, Kim Karlström pour l'égalisation rennaise peu avant la demi-heure de jeu. Une égalisation logique signée Kim Karlström. Troisième but de la saison pour Karlström en championnat. Meilleur buteur du Stade Rennais et qui enflamme le stade de la Route de l'Orient. Première période pour la JOCR et pourtant incompréhension ici entre Radet et Calaban. Il manque beaucoup de cadres à Auxerre et ça se voit derrière la récupération de Karlström. Extérieur pour Monterrubio, extérieur également pied gauche pour Olivier Monterrubio, signe de la confiance revenue avec ce geste magnifique tenté directement par Olivier Monterrubio qui a bien travaillé défensivement aujourd'hui, qui a été très bon également, qui a été dans tous les... Manifestement il y a son milieu de ne pas se faire aspirer parce qu'effectivement il y a plus de ce joueur devant la défense. Thiago et Joël. Ah. Oh, c'est magnifique! Oh, que c'est magnifique! L'enchaînement du Suédois Karlström qui met à terre Grégory Coupé et qui permet au stade récupération de balle. Le coup d'œil, la frappe et la lucarne. Ça fait 1-0 pour Rennes. Quel but de Karlström, le meilleur buteur du Stade Rennais alors qu'il est. Ballon anodin, Frey le perd, mais récupération de Karlström. Et surtout, très très beau geste, hein. Il va chercher le ballon haut, il la garde, puis c'est éliminé, et avant qu'elle retombe, volée, pleine lunette. Ah, il a marqué. Ah, il a marqué un beau but, hein, Guy. Ah oui, je l'avais vu marquer contre Bucarest, un amical, un but magnifique, mais celui-là, il est encore plus beau. Il a marqué en championnat contre Marseille, Monaco, Bordeaux et... Karlström's done ever so well there. Oh, no, he's done brilliantly. As the ball breaks in the midfield, he does well just to win it initially, and then he strikes it with pace and power and accuracy. Fin de rencontre, Kim Karlström apporte sa touche au succès suédois en ajustant une frappe puissante repoussée par le gardien et sa deuxième tentative est la bonne. 3-1 pour la Suède. Kim Källström, det är 3-0 till Djurgården. Ja, vilken kanon! Det var ingen fel på den träffen. Det var ett utmärkt läge för Källström. Gör det där elegant. Han lurar två spelare. Och så skjuter han i mål. Harry Mattens prestation. Och det är fotboll av allra bästa märke. Och säg den propp. Och köpare som inte. Det är hur va?
matchen kom med. Och jag förstår Sören Åkerby att han blev aktiv när han kan jubla.